est présent. On a assisté à une rencontre assez intéressante il y a quelques instants face à Westerlo. Si les deux capitaines à l'image, Samy Bossut, le vétéran, 36 ans. Goed gespeeld van Gomez. In één tijd tot bij El Hadjstaris. Cibangu, overtreding van Boya. Het wordt Gomez, dat is goed aangesneden. Dan gaat hij erin. Onderweg even aangeraakt, leek me. En er is wel wat protest vanwege Zultenwaargem met Platings. Die zich afvraagt wat er daar precies gebeurd is. Alors oui, ça a été dévié. Mais je pense que ce but il est quand même à mettre certes à l'actif. De Gomez, mais c'est pour la pomme de Bossut. Hein. Il doit faire mieux. Certes, il y a le soleil, certes, c'est dévié, mais c'est quand même un garçon qui a de l'expérience à 36 ans. Regardez-moi ça, il est sur le ballon, il passe clairement à côté. Samy Bossut, 1-0 pour Anderlecht. En dan de prima bal voor Stroeikens. Controle van Stroeikens niet helemaal perfect. En Bossut, ja, moet hij wel nog pakken. Samy Bossut a connu aussi un gros accident. Hein. Depuis, il porte le casque. C'est toujours impressionnant de voir Bossut à l'œuvre. Eerst even kijken nog naar Anderlecht met de voorzet van Gomez richting tweede zone. Afvallende bal voor Kana. Durfde niet echt te trappen. De wilde wel redding Bossut. Et puis offensivement, on n'a plus les mêmes joueurs. Hein. Anderlecht, lorsque vous devez vous passer de Refailov, de Vurskar, de Raman et de Zirkzee, offensivement, il y aura évidemment un monde de différence, mais la jeunesse peut s'illustrer, peut-être avec Stroeikens. Hier is hij, Stroeikens, en de goede trappen. En dan gaat hij heel mooi binnen, moet ik zeggen, Mario Stroeikens. Super Mario, even die linkerboven gehaald. En gewoon genadeloos afgewerkt. 2-0, zeer efficiënt Anderlecht. En wat een verschil. Wat dat betreft in vergelijking met die eerste partij, Mathieu. Een magnifieke realisatie. Franchement, quel toupet, quel audace chez ce joueur. Il ajuste parfaitement son adversaire direct, à savoir Humphries. Et puis regardez, en termes de finition, c'est parfait. Du pied gauche, petit filet 2-0. Efficacité quasi à 100%. Et on entend les injonctions de Vincent Kompany. Par rapport à Stroeikens. Stroeikens geeft niet op en hij vindt dan nog Cibangu, die gaat neer. En krijgen we dus een vrije trap voor Anderlecht. Ja, de muur. Dat ook al. Twee muurtjes inderdaad. En daar komt El Hadj. Die trapt hem ook binnen. Kijk eens aan. 3-0 voor Anderlecht. Twee keer via een vrije trap. En één keer via Mario Stroeikens. Super efficiënt gewoon vandaag. Incroyable. Franchement, c'est assez impressionnant. Comment Anderlecht parvient à se montrer efficace, deux fois sur phase arrêtée, il est parfait, il n'y a rien à redire. Moi ce que j'aime bien finalement c'est que toute l'équipe participe à la construction du but, même sur cette phase arrêtée, parce qu'on se doute bien que c'est répété à l'entraînement, on place deux murs, ça perturbe clairement Bossut qui se retourne déjà pour la troisième fois. C'était déjà le cas en décembre dernier. Cibangu met Humphries. Dat zijn stevige duels. Ja, Cibangu zet zich goed door en kan dan gewoon helemaal door het hart van die Zultenwaargem defensie gaan. En wordt nog gehinderd door Platings. En dat is een overtreding van de centrale verdediger. Eén kans op twee. En hij moet ook nog binnen gaan natuurlijk. Ja, dat is ook wel een vereiste. On a changé de gardien entre-temps à Zultenwaargem. C'est Bostin. Daar komt El Hadj. En hij plaatst hem ernaast. En dan de opening vinden bij de Buijsers. Sila in het centrum. De voorzet even aangeraakt door de Bast. Chirani kan oppikken. Mindere controle, maar al een goede beweging. En Chirani knalt hem tegen de paal. Mooie actie. En équipe A, la montée au jeu de Julien Duranville. 15 ans. Goeie tik van El Hadj. Overtreding leek me dat, maar balvoordeel gegeven. Goed van Vermeire. Miché in de 16. En een trap van Miché met El Hadj. En Boya. Bouchouari. Ja, goede actie van Bouchouari. Daar komt de hoekschop van de Neven. Weggekoopt de Bast. En mooi uit de lucht gehaald door de Buijsen. En c'est contré par Duranville. Hein. Voilà, comme un symbole, ce ballon touché en dernier lieu par Julien Duranville. La jeunesse a reçu sa chance aujourd'hui.